Ça de la bouche de cette grosse salope d'Agrabe de Gwyn, ça va. Foireux, non, mais elle se prend pour qui cette conne? Et je retirerai rien, même si je sais que t'es copain avec elle. Avec Grace et Rupert, ouais. Je les aime bien. J'ai toujours été super sympa avec elle, tu m'entends jamais me plaindre. C'est pas vrai, Don? Si on n'est pas d'accord avec moi, c'est pas mon problème. C'est eux que ça regarde. Moi, je fais pas de coups en douce à quelqu'un parce que j'aime pas la façon dont ils me traitent. Et je prie pas pour qu'un pan de mur leur tombe sur la tête quand ils passent dans la rue. Cette salope a tout bousillé d'un seul mot et tous les putains de petits déjeuners que je leur ai payés me restent en travers de la gorge. Et tout en mangeant, elle devait penser qu'il est idiot, ce qui lui dépense son fric alors qu'on en a rien à foutre. Je suis blessé, hein, profondément blessé, je sais plus quoi faire. T'es juste un peu contrarié. Non, pas un peu contrarié, je suis terriblement contrarié. C'est des problèmes, dis. J'aimerais avoir leurs problèmes. Attends, dis, elles avaient peut-être rien contre toi, mais elles voulaient parler comme ça. Vous voyez, avec quel pas. Non, je suis désolé, Don, je peux pas laisser passer ça. Elles m'ont traité comme une cloche alors que c'était des cloches. Le seul moyen de leur apprendre à vivre, c'est de les tuer. Tu veux un café? Non, merci. Allez, DJ, Bobby va aller dans sa vie. Putain de troc, et les autres putes ne rentrent rien. Arrête ton char, Titch, qu'est-ce que tu veux? Bob, tu prends un crème et... Pas de lait, Titch? Non. Pas quoi, alors? Pas de lait. D'accord. Et prends-toi quelque chose à manger. Qu'est-ce que tu veux, Titch? Un beignet ou il en a mis un beignet? Je veux pas de tes foutus beignets. Va lui chercher un beignet frère avec plein de confit. Je veux pas de tes fichus beignets. Je veux rien du tout. Mais si, Titch, il faut manger. Ouais, tu te sentiras mieux après. Alors je voudrais une portion de bacon, centre de gras et moustiquaire. Et dire à la nana que c'est pour moi, elle t'en filera plus. Ça marche. Tu veux autre chose? Et non. Part de melon. Je mange pas de melon, ça me file la courante. Non. Dis-lui de rien dire à Routy. Il dira rien. Non. Non, t'as raison. Je suis désolé, Bob. Y'a pas de mal. Je suis crétin. C'est ok, Titch. Merci beaucoup. Y'a pas de quoi. Et t'amuses pas en route? Oh, tu me connais? J'aurais rien dit, tu sais. Pour tout, j'en ai rien à foutre. Connasse. Y'a pas une once de gratitude dans cette putain de gonzesse. Au fait, comment ça s'est passé hier soir? Ça n'a rien à voir avec tout ça. Non, je sais, mais demandez ça, et ça va causer. Hier soir? Ben. Il était Don, comment ça a été pour toi? Pas bien. Ah ah. Les seuls qui ont gagné du B, c'est Fletcher aussi. La garce a gagné 200 dollars. Elle joue vachement bien. Elle joue pas vachement bien, c'est une pauvre cloche. Elle vaut pas un pet de lapin et elle joue comme une femme. Fletch, par contre, il joue bien. Mais Routy, putain, t'as pas vu comment elle joue? Elle a toujours l'autre conne derrière elle. Grace? Ouais, Grace. Grace, c'est sa partenaire? D'accord, c'est sa partenaire. Mais tu vois de quoi je veux parler? On est tous autour de la table et la Grace qui se lève et va chercher un cendrier ou une tasse de café. Et aucun des gars pense à cacher ses cartouches, je sais pas moi, à faire le dos au rond pour les protéger. Tu me diras, moi, j'en ai rien à cirer. Mais ça, t'as raison, c'est une sacrée partenaire. Je peux te dire que quand elle passe derrière moi, je plante ma main. Et ceux qui ne font pas, ben tant pis pour eux. On joue pour du blé, après tout. On joue pas pour des clopinettes. L'amitié, c'est l'amitié, c'est une chose merveilleuse. Et moi, j'y crois. C'est pas moi qui dirais le contraire vrai. Et tu connais mon point de vue sur le sujet. Mais faut pas tout mélanger, hein. C'est deux choses bien à part, mais on peut arriver à discuter comme des êtres humains, hein? C'est tout ce que j'ai à dire, Don. Je sais que t'as un petit faible pour Routy. Je sais que tu l'aimes bien, elle est Grace et Bob, je sais qu'ils les aiment aussi. Oui, ils les aiment bien. Mais moi aussi, je les aime bien. Je sais, je suis pas toujours facile, je suis pas facile des fois qu'on joue, et on jouera encore. C'est vrai, ce sont des choses qui arrivent. Bon, oui, j'ai perdu un paquet à cette partie, et blablabla. Mais tout ce que je demande, et je le lui dirai en face, c'est qu'elle se souvienne seulement de qui est qui, et qu'elle ne s'amuse pas, elle ou Grace d'ailleurs, à avoir cette attitude. Le passé, c'est le passé. Et aujourd'hui, c'est le présent. Alors, va te faire foutre. C'est ça? Alors, quoi de neuf? Rien du tout. Quoi de rigué, là? T'as tué mon charbon? Pourquoi? Tu l'as laissé ici? Ouais. T'as demandé en ligne? Je l'ai laissé ici. Ah, laissé quand? Hier soir. Ah, dans ce cas, il me vient. Tu l'as vu? Non. Fletch est venu? Non. Il va probablement pas tarder, hein? Possible, tu connais Fletch, avec lui on sait jamais. Ouais, ça c'est absolument. Il peut passer le matin et puis disparaître ensuite pendant 10 ou 15 jours et personne sait où il est. Pourquoi? Je lui parler. OTM, t'es au courant? Je m'en vais rien, cette conne. T'as une affaire avec Fletch? Non, je voulais juste lui parler. Il passera à toi.
C'est quoi ce truc? Ça, c'est de 1933. C'est des Pâques. Ah, je sais pas. Il y a une demande pour ces trucs-là, c'est comme le reste. Ils ont autorisé la diffusion et tout le monde s'y est mis. Longtemps que ça, tu crois? Oh mon Dieu, oui, il n'y a pas si longtemps. Ça a duré pendant 2 ans. Il y a eu toutes sortes de gens qui ont acheté tout ce qu'ils ont pu trouver. Il y a une demande pour ces trucs-là, c'est comme le reste. Ils ont autorisé la diffusion et... Ils ont apporté ça à Pétaux-Schlock et l'enfilé à leur vieille dent, des armes d'aveu. Vous pouvez ça quand c'est à la mode? Oui, ça vous donne 15 dollars. Et toi, ma gueule, parole d'honneur. On dit j'en ai le marteau. Ah oh, oui. Ils payent pour des trucs comme ça. Ah ouais, pour tous ces trucs-là. Si j'avais pas acheté tous mes vieux trucs, je serais un mec riche maintenant. Je ferais des croisières autour du monde sur mon yacht. Les merdes que mon père gardait dans le tiroir de son bureau. Mais c'est autant. Imagine un peu. Tous ces vieux jouets qui pourrissaient dans la cour de derrière. Ouais, moi, parle pas. Mais j'ai pas envie de t'en parler. Petite partie de jean. Peut-être tout à l'heure. Ouais, ok. Ah, je sais rien. Je lui ai parlé. Tu lui as parlé? Ouais. Je t'avais dit que tu n'étais pas là. Bah c'est elle qui a commencé. Qu'est-ce que tu lui as dit? Que t'étais là. Qu'est-ce que tu lui as dit, Bobby? Juste que Titch était là. Tu crois qu'elle va venir? Bah je crois pas, non. Il y avait ce que tu voulais. Bon, c'est très bien. Très bien. Tu ne devrais pas ingurgiter sa saleté. Pourquoi? Et c'est ce que je pense de la bouffe bio. C'est pas de la bouffe bio, Titch, c'est du yogourt. C'est pas de la bouffe bio. Non. J'en ai toujours eu. Du yogourt. Ils ont de la pub dans la petite margée. C'était bien avant ta naissance. Fais ce que tu veux, Bordeaux, c'est pour toi. Où est mon café? Il est pas dedans? Non. Mais je t'ai pourtant dit de le mettre dedans. Bah alors, oui. J'ai oublié. Je vais retourner le chercher. Ça te dérange pas? Non. Alors, vas-y.